Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge, Z650RS, une fois de plus, merci qui? Merci Golden Mike. C'est leur moto de démo, on est en train de tout doucettement terminer le rodage. Je suis très heureux de rencontrer enfin cette lignée RS. Vous savez que j'aime ce concept un peu néo-rétro. On avait eu l'occasion l'année dernière de faire le comparo MT-07 Z650. Z650 avec son look de dingue, de manga, etc. Là, ils ont vraiment sorti dans la lignée de la Z900RS, la Z650RS. Donc, ils ont été jusqu'au bout du concept. C'est-à-dire que c'est une moto qui s'adresse à un motard qui va privilégier la balade, qui va privilégier le duo, au contraire du gars qui va acheter une Z650. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, d'une part, vous avez ce très beau tableau de bord avec l'odomètre, les deux triples, la consommation instantanée, la consommation moyenne. Là, effectivement, vous voyez qu'elle a un peu moins de 500 km, donc on était très, 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 très sage avec la moto. Et de toute façon, c'est un moteur qui, on l'avait aussi dit l'année dernière, qu'on avait fait les deux, donc c'est le même moteur que la Z650. Et c'est vrai que l'idée, ce qui serait merveilleux, c'est d'avoir une partie cycle de Z650 et un moteur d'MT-07, parce que c'est vrai que le moteur de la Z650 remplit bien son rôle, ça fait un peu moins de 70 chevaux, de 70 chevaux. C'est un moteur qui est rempli partout, mais effectivement, il manque un petit peu ce coup de pied au cul que l'on retrouve sur la MT-07. Par contre, l'avantage, c'est que le couple est omniprésent et permet vraiment de passer la sixième. Et c'est pour ça que j'aime répéter vraiment que ce concept a été jusqu'au bout de l'idée, puisque il y a pas mal de choses qui ont été changées pour cette RS par rapport à la Z650 normale. Donc, il y a un réservoir qui est 3 litres plus petit, mais qui permet encore des étapes allègrement de plus ou moins 250 km. Il y a effectivement cette transmission qui est assez courte, ce qui permet de rapidement passer en sixième et de creuser en sixième, puisqu'il faut savoir que à 120 km/h, vous êtes plus ou moins, enfin vous n'êtes pas plus ou moins, donc à 120 km/h, vous êtes à 6000 tours. Donc le moteur tourne assez vite. Mais évidemment, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous retrouver en ville en sixième vitesse à 60 km/h sans aucun problème. La suspension est vraiment tarée pour être assez souple. Ça peut être un peu surprenant. Donc, c'est justement, on continue toujours sur cette idée de la différence entre une Z650 et une RS. C'est-à-dire que, comme vous êtes assis un peu plus haut avec cette selle moelleuse et un peu plus haute, mais bon, ça reste extrêmement raisonnable, hein, vous le voyez. Pour un gars de ma taille, j'ai bien les deux pieds au sol sans aucun souci. Mais donc, vous avez cette suspension qui est assez souple. Et donc, comme le châssis vous donne de temps en temps l'envie d'être un petit peu sportif, au changement d'angle, elle a un petit rebond. Donc, ce qui peut être un peu surprenant. Je dois dire que j'étais un peu déstabilisé lors de la première mise, enfin, lors du premier pif-paf que j'ai pris, parce que la moto est super stable. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup d'angle à gauche. Et au moment où j'ai voulu reprendre l'angle à droite, il y a un moment donné où la moto se détend et il faut attendre qu'elle retombe dans le virage suivant. C'est pas dangereux, c'est surprenant. C'est le genre de choses que l'on doit apprendre au fur et à mesure. Mais effectivement, nous, on a la chance de changer de moto très, très régulièrement. Donc, du coup, on doit aussi rapidement s'habituer et on a l'habitude de le faire. Aussi, non, pour le look, celle-ci, donc, c'est la version noire. Il y a une version rouge 50e édition, puisqu'effectivement, ça fait déjà 50 ans que la première Z900 est sortie. Donc, on est vraiment sur le vrai concept du néo-rétro. Au niveau freinage, c'est impeccable. Il y a énormément de réglages. Donc, vous avez tous les réglages de levier. Bon, c'est devenu un petit peu les standards. Mais effectivement, de temps en temps, on ne retrouve pas ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir gérer soi-même son embrayage, que vous voyez, qui est super souple. Vous avez à la limite un truc que j'ai trouvé un peu bizarre. Je trouve qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout du concept et nous mettre des petits clignotants, des gros ronds orange, pour faire vraiment vintage, puisqu'ils ont quand même déjà sorti ce feu rond, ce tableau de bord avec les deux gros obus pour le compteur contour. On aurait pu se taper en plus les clignotants ronds. Aussi, non, pour la monte pneumatique, on est sur les mêmes gommes que la Z650, sur la même taille, c'est un 160 derrière, donc on reste raisonnable quant à la largeur du pneu, même si je pense qu'un 150 serait passé à l'aise aussi. Mais ça ne grève pas la maniabilité, puisque vraiment, cette moto est super maniable, elle est hyper à l'aise en ville. Ce bicylindre est évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, gorgé de couple, donc pour se faufiler entre les voitures, c'est un réel plaisir. La moto est très fine.
On a effectivement pensé, j'en ai parlé tout à l'heure, au duo, puisque vous voyez que les repose-pieds ont vraiment une implantation très très basse, puisque donc on est largement, enfin on est au-dessus en tout cas de mon coude, donc vraiment le passager va être très bien installé. Et alors, petite chose que moi je peux apprécier et que je sais par exemple que notre ami Gilles aurait certainement fait, la première chose qu'il aurait fait, c'est virer ses repose-pieds. Parce que bah, c'est très très facile à retirer, ces deux petites vis, vous virez ça et vous retrouvez une ligne arrière plus café racer, plus discrète, parce qu'effectivement, ils ont gardé vraiment le petit cul arrondi de la Z 900 de l'époque. Il faut savoir, et ça, on vient une fois de plus pour la quatrième fois de la laver, puisqu'on n'arrête pas de se faire rincer. Je vous avoue que je suis encore un petit peu humide ici parce que je suis parti de la maison. Je me suis fait rincer, je suis parti de la maison en mode été parce qu'il fait plus de 20 degrés, donc je me suis dit tout va bien. Sauf qu'effectivement, ce genre de pantalon, c'est fait pour ventiler. C'est absolument pas fait pour la pluie, donc il est tombé, je me suis pris une petite rincée et très rapidement, j'ai senti cette petite goutte qui vient se glisser sous la selle et qui vient à humidifier votre... enfin, je ne vais pas dire ce qui était humidifié, mais ça a été humidifié quand même. Donc, ça sèche. Donc, j'en suis très content. Donc, pour le reste, ben, on va se retrouver comme d'habitude pour faire les embarquer. Et puis, on va espérer ne pas prendre de la flotte d'ici là parce qu'il y a quelques petites gouttes. Allez, soyez sympas avec nous. On envoie la pub. Voilà les amis, la deuxième partie embarquée, vous le savez, vous adorez ça, nous aussi. C'est alors techniquement, vous le savez, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que de temps en temps, pour certains essais, vous n'avez pas droit à ces caméras embarquées. Là, on a sorti le scooter, on a sorti la Kawa et on est gentiment sur nos petites routes du côté de Ronquières comme d'habitude, au guidon de cette Z650 RS. Alors, ben, là, évidemment, la moto que l'on met face à cette Z650 RS, c'est bien entendu la XSR 700 de chez Yamaha, qui va pas tarder à arriver. Normalement, je l'aurai mi-juillet. Je trouve que physiquement, cette Z650 est plus réussie. C'est-à-dire que esthétiquement, tout est bien rentré. Alors que c'est vrai que la XSR, on a cette impression d'avoir ce réservoir qui est déposé sur le châssis. Et d'avoir ce phare avant qui est très très avancé sur cette Z650 RS, on a quand même une esthétique, je vais dire, plus complète et plus pour moi personnellement, ce sont mes goûts personnels, plus réussi. Alors sinon pour le reste, ben, je vous dis, ce guidon plus droit amène une position très droite. Ce qui peut, attention, et c'est vrai que on m'a déjà fait la remarque que sur certaines motos on a un peu plus mal au cul. Et en fait, pourquoi a-t-on mal au cul? Bah, tout simplement parce qu'au lieu d'être basculé vers l'avant, eh bien, on est tout à fait droit. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, lorsqu'on est droit, on a tout le poids sur son séant, c'est tout à fait normal. Et évidemment, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas mal au poignet. L'exemple type, c'est que voilà, moi, c'est une moto avec laquelle je n'ai pas les mains qui dorment. Ce qui m'arrive sur d'autres motos, bah, comme sur la GSX-S de la semaine dernière, parce que bah, effectivement, c'est une position qui est plus basculée vers l'avant. Donc les poignets sont plus cassés, et donc bah, comme j'ai déjà réussi à me casser les deux mains pendant ma vie, bah, donc effectivement j'ai des mains qui dorment assez rapidement dès le moment où je suis en appui sur les poignets. Ici, bah, on est vraiment très droit. Autre donc avantage, c'est effectivement cette visibilité accrue, puisque vous avez le buste bien droit et que vous avez une vision très lointaine devant vous. Par contre, il est évident que c'est une moto qui est au-delà de 120-130 km/h. La pression au niveau du buste est hallucinante, puisqu'il n'y a aucune protection, rien du tout. Ça se voit directement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour se rendre compte de ce genre de petites choses. Alors vous le voyez, je suis en quatrième.
Donc là, on est en train de passer, là, on est à 60 km/h, et je suis même, je crois, je pourrais même encore passer en cinquième. Ce que je vais faire, là, je suis à 60 km/h en cinquième, je suis à 3000 tours, et le moteur reprend, mais vraiment très, très tranquillement, et c'est véritablement un régal. Comme vous le voyez aussi, la route est complètement défoncée. Je vois Gilles qui est devant sur mon scooter en train de se faire secouer comme un bananier. Moi, sur cette Z650, tout passe en douceur. Elle est extrêmement souple. Elle est super agréable. Je vous dis, le tableau de bord que j'ai sous les yeux, à ce côté vintage et à ce petit module central, vous avez la température d'huile et le réservoir d'essence, plus tous les trips que je vous ai montés tout à l'heure, tous les trips qui sont super faciles à changer, puisque c'est vraiment sur le bouton ici qui est à main gauche, et vous pouvez les changer tout en roulant sans aucun problème avec le pouce. Il y a le warning, on se le met pour le plaisir, il n'y a personne derrière, j'en ennuie personne. Voilà, c'est assez simple, il n'y a pas de mode moteur, hein. Bon, on n'en a pas tellement besoin. Alors, ce qui va être super intéressant, c'est que on va avoir l'occasion, donc on en a parlé, on se retrouvera pour la journée Z-Tour chez Golden Bike à la fin du mois de mai, juste après le Yamaha D, le jeudi du Yamaha D à Mété. Le vendredi, nous serons toute la journée chez Golden Bike et on aura l'occasion de tester les Z650 en 35 kW. J'ai jamais l'occasion de les tester, donc ça sera l'occasion de vraiment voir la différence entre les 35 kW et enfin les 47 chevaux et les 67 chevaux. Je pense pas que la différence va être notable, il va peut-être avoir une petite différence, mais rien de transcendant. Allez, on se retrouve donc la semaine prochaine pour, je vous l'avais annoncé la dernière fois parce que je savais pas qu'on allait encore avoir cette Kawa, et donc la semaine prochaine on se retrouvera pour la Norden, la Husqvarna Norden, vraiment un essai qu'on attend déjà depuis 2 ans, puisqu'elle avait déjà été présentée il y a pratiquement 3 ans au salon de Bruxelles. Elle est là, la Norden 901, donc on va être très très heureux de pouvoir la tester. Et puis et je vous dis donc, bah, comme je vous l'ai dit dans le trailer de mercredi, on se retrouve dimanche au plan incliné de Ronquière pour le Japanese Classic Bike, où on aura l'occasion de voir des motos entre les années, non pas 70, mais 60 et 80. Donc, des belles bécanes, on sera là, ça sera l'occasion de nous rencontrer. Je vous dis donc, prochain rendez-vous, Japanese Classic Bike, puis le Yamaha D, et puis le Kawasaki Z-Tour chez Golden Bike. Allez, les amis, à bientôt. Je ne vais pas vous faire un dépassement, parce que devant Gilles, il y a une autre bagnole, on ne va pas prendre des risques, juste pour la beauté du geste. Hein. Et je suis toujours en 3e à 30 km/h. Ce moteur est génial. Allez, ciao les amis.